Yon l'autre fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Naola depuis Bombardopolis. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous parlé vite au côté président de la République là, Pierre-François Sildo qui parle parler sous maladie qui gagne dans tout pays. Mais avant de nous faire ça, l'équipe Bombard Media Naola voulait remercier tout le monde qui toujours manche Bombard Media Naola pour information pays. Et yon gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombardopolis, équipe Bombard Media Naola, nous apprécions ça. Et si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Bombard Media Naola et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Naola. Et bien nous pas perdre du temps, n'a déroulé avec information yo. En nous, président de la République là, Pierre-François Sildo montre li inquiété à cause pandémie maladie a gagné dans tout pays a. Ces informations ça nous porter pour vous. Nous pas perdre du temps, n'a commencer coulier. Nous constatons depuis deux ou trois jours que les 10 départements géographiques du pays y ont affecté. Donc pour un département qui n'a pas un cas de coronavirus confirmé selon le ministère de la Santé publique. Nous constatons tout le matériel que l'exécutif, le gouvernement a commandé. Grand premier stock matériel qui y avait, grand deuxième qui y avait hier. Et en même temps, tout le lien que nous avons fait rapidement avec l'ensemble de pays qui ont voulu déporter. Bon, ici, et bien là-dedans, d'après ça, c'est nous avons fait information de confiance qui est positif. Ça veut dire que il y a un chevauchement de situation entre eux. On a dit ça pas fait chemin. Et en même temps, monde qui déporté, qui pas subi un test qui a rentré dans le pays, que ce soit sur la frontière, ça a rentré déjà, que ce soit qui a déporté dans le pays. Donc, nous constatons que d'après l'information, il y a plus que 200 cas. Et dans tout le pays, ça veut dire qu'il y a sérieux. Et monde qui pas de quoi, c'est au moment pour le quoi. Tout symptômes, il faut que croit que la pandémie est là, elle est vivante, elle est présente dans le pays. Lorsque rentre maintenant, c'est toujours geste barrière là pour nous commander. C'est prévention pour tout le monde. Et ça, nous constatons, c'est que grand corps, monde qui est dans la rue, qui n'a pas COVID, malgré appel. Non seulement du côté du gouvernement, de la société civile, de la presse, par les écrits télévisés, des leaders religieux, des autres organisations politiques du pays, tout le monde dit, on fait attention. Il n'y a pas qu'à nous dire, non seulement pour le geste barrière, laver les mains, c'est-à-dire pas arrêter une, pas coller avec l'autre, éviter maintenant foule, nous constater que notre point ça, éviter foule là toujours là. Parce que de côté, il y a gardien toujours. De côté, il y a équipe qui a joué football toujours. Il y a marché à eux, il n'y a pas quoi contrôler. Donc on a une situation difficile pour faire un confinement total dans le pays. Mais il faut que nous fassions un maximum de prévention. Vous savez que le gouvernement parlait d'équipements qui viennent, il parlait de cabanes qui viennent, il parlait d'appareils respiratoires qui viennent, il parlait de masques qui viennent. Même pensé que. Dans ça, nous y est là, il y a une prévention, nous tendez, nous pas docteur. Il y a une plus grande prévention, c'est pour le port de masque. Faire un petit masque, faire un petit cache-nez. Alors, il faut que tout côté, gouvernement et toute organisation qui a essayé de faire, dans le maximum de cache-nez possible. Disposition pour prendre que nous marchons, c'est. 3 jours à fonctionner, 4 jours à fonctionner, que fonctionner un jour, que fonctionner 2 jours, 3 jours. Si pas grand niveau de protection, c'est-à-dire tout le monde mettait le masque, tout le monde lavait le nez, tout le monde prend précaution, exécuter geste barrière ça, nous pourrons tomber en catastrophe. Et c'est ça pour nous arriver là-dedans. Donc, nous encourager le gouvernement pour travailler plus près avec nous là. Nous encourager nous là pour travailler plus près avec Kazek. Nous encourager Kazek, travailler avec Azek. Nous encourager toute organisation. Nous connaissons l'église, il faut pas. Nous
créé fort déjà par un rassemblement qui obéit à disposition consigne que l'État a pris, il obéit à lui-même, mais en même temps, côté il y a toujours sensibilisé fidèle. Organisation de la société civile là, pour faire tout. Organisation politique là, c'est-à-dire les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou encore ça par l'opposition, nous, on a gagné un travail que déjà fait. Il faut continuer maintenant à sensibiliser les partisans. Yo. Parce que les partisans, ils ont pris le grand pouvoir. Il faut qu'avec le monde le grand pouvoir, il faut protéger le pays. Ya. Et tout le monde qui fait bataille politique là, c'est une bataille pour le bien commun, pour le bien collectif, pour le bien-être du pays. Et l'un des éléments de bien-être là, c'est la santé de la population. Donc tout le monde doit être ensemble pour combattre cette santé de la population. Quand on a fait un c'est vrai que c'est pour le prince, par rapport à la démographie, c'est-à-dire l'ensemble de monde qui est dans l'Ouest là, c'est une main qui est plus touchée ensuite, c'est la Tibonite, qui effectivement, c'est le deuxième département après l'Ouest là, qui est en plus monde là-dedans, qui a une démographie plus élevée. Donc, nous dit que Jean-Jean Ressoustay est concentré. C'est-à-dire Ressoustay, tout le peuple Port-au-Prince, avion et débarqué tout le matériel Port-au-Prince. Mais il faut faire une distribution de la province, dans le grand centre, dans le centre de la Tibonite, dans le grand centre qui est comme Moukaï, dans le centre chaque département, puisque tous les départements où il y a des gens qui affectent là-dedans. Il faut commencer à distribuer le matériel là, dans la province, que ce soit équipement individuel pour les gens. C'est-à-dire les médecins, les infirmières, tout le personnel qui a desservi dans cette affaire là. Il faut que bah, maintenant l'autre matériel qui vient, ambulance qui peut transporter les gens, etc. Et tout ça qui a fait là. Dans l'autre point de qui est important que vous parlez de lui-même toujours, c'est que c'est le seul laboratoire national qui fait test là. Vous entendez qu'il y a un petit laboratoire privé qui a parlé de ça. Donc il faut que le comité scientifique là, faut que celui scientifique là, le comité multisectoriel là, Chita sur question ça avec le ministère de la Santé publique pour prendre la meilleure décision possible pour permettre au laboratoire de faire des dépistages si vous jugez les corrects et si vous jugez le matériel pour faire. Mais l'autre point, je pense qui est important tout, c'est que la disposition de l'État, disposition de confinement, il y a un confinement partiel et affecter l'école. Professeur l'école. Nous connaissons tout dans la ressource qui rentre à eux, était projeté pour faire bah, mon cash à la population. Nous connaissons près de 23 000 jeunes. Il faut que ça continue. Et nous pensons que le gouvernement, il faut qu'il fasse encore dans la plus grande transparence. Parce que nous avons des critiques sous question. Dans la plus grande transparence, le gouvernement nous connaît. C'est bail livré par la population, hein. C'est collaborer, il veut collaborer, c'est aider à la population, il n'y a pas rien pour le cacher. Qu'elle dit tout le bagarre à les gens, il doit faire deux manières pour éviter des critiques négatives qui affectent maintenant sous gestion fonds coronavirus. Un autre point qui est important encore là-dedans, c'est que les médecins, le personnel scientifique qui est affecté dans la question ça, il faut que le travail sur lui-même. Travaille avec eux pour permettre de faire plus de résultats. Et, il y a deux points à me souligner encore, c'est que, il y a un personnel qui est extrêmement important, qui a véhiculé l'information, c'est les médias. Médias, que ce soit télévision, radio, et tout type de médias sur les réseaux sociaux, il faut que nous gardions qui gens, nous avons bien alimenté eux. De manière pour aider la population à sa capacité. Il y a un bagage qui est important. Le peuple là, c'est Saint-Thomas. Il n'y a pas de l'enseigne de bagage. Il n'y a pas de parce qu'il dit au bal menti. Il faut que ça soit fait à eux, ça soit promettre à eux, il y a un peuple là. Qui permet maintenant retrouver confiance. Confiance, l'ensemble dit comme parole, comme nous, acteurs politiques. L'ensemble exécutif l'a dit, l'ensemble société civile l'a dit, l'ensemble n'importe quel leader qui a intervenu, l'ensemble comité scientifique l'a dit, qui a fait sous gestion coronavirus. Là. Nous pensons qu'il encore faut que rétablir, recentrer sur ça, parce que la situation a commencé à développer. Nous sentons une propagation plus rapide que relais maintenant. En comparaison communautaire de personne à personne, il commence à faire, il
faut que nous prenions toutes précautions et aller beaucoup plus vite dans le système de protection que nous avons faire. Je dis que le peuple haïtien, tout secteur confondu, pas dit l'État va mentir, c'est au moins protéger la tête. Pas dit l'État va pas assez, santé aussi pour vous, santé madame, santé petite. Respectez voisins, même si on demande aux voisins, respectez autres. C'est pour ça qu'il y a protéger l'autre. Et nous-mêmes, même ça l'État fait, ce n'est pas dit pas occuper l'État dans sa vie. Santé, c'est pour vous lier. C'est pour occuper tête. L'État a dit un bagaille, autant de sa vie. En même temps, on prend toute disposition, toute précaution pour protéger tête, pour protéger la famille. L'État, c'est aider le cas aider. L'État, c'est chemin qui a tracé. Mais ce corps, c'est pour vous. Santé, c'est pour vous. C'est mettre pour qu'il y ait quoi. Merci. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.